on a fait une petite presse artisanale. On produit notre huile en divisant par 12 le stock qu'on a, et tous les mois on fait un 12e de notre stock. L'huile est écoulée essentiellement sous le conditionnement en petites bouteilles de 75 centilitres ou alors en boche. Et on vend essentiellement à des magasins style BioCop, magasins spécialisés en bio. Et également, on a un petit magasin à la ferme, un petit point de vente qui nous permet d'écouler aussi une petite partie de notre production. Là, on est dans l'atelier de transformation de farine. Donc c'est un moulin type astrillé sur meule de pierre. On fournit des boulangers, des crêpiers. Et on conditionne aussi en petits sachets la farine pour les magasins spécialisés tels que les BioCop. Donc, ici, on est sur la ferme du Ménéum. Une ferme qui comprend à peu près 80 hectares. Moi, je suis installé sur la ferme ici de Thiergal en individuel depuis 1985. Je suis resté en conventionnel pendant une quinzaine d'années. Et en 2000, j'ai décidé de complètement changer d'orientation, voire même carrément d'arrêter toutes les productions conventionnelles sur la ferme et de convertir toutes les terres en bio. Réellement en bio depuis 2002. On cultive des céréales à alimentation humaine et alimentation animale. Donc en alimentation humaine, on fait du blé, du sarrasin, du seigle, là depuis peu de l'épeautre aussi, du grand épeautre, et on a fait un peu d'engrain aussi en culture. Et on fait également des graines pour faire de l'huile de colza, et puis on fait des petits essais sur de la cameline, du lin, enfin voilà, on a toujours besoin dans une ferme d'apprendre aussi un peu à travailler différentes cultures. Et la cohérence qu'on a envie de donner à la ferme, c'est effectivement aller de plus en plus vers de la production humaine. C'est-à-dire que les végétaux qu'on produit sur la ferme, on aimerait bien qu'ils soient transformés quasiment que pour la production humaine, ce qui n'est pas encore le cas, parce qu'on produit encore des céréales sur la ferme aujourd'hui pour la production animale. Et on a souhaité aussi prendre deux labels supplémentaires qui sont Biocohérence et Nature et Progrès. Bon, c'est parce que ça s'est fait au gré des rencontres aussi, et puis de la réflexion qu'on a justement sur une bio qui doit être la plus respectueuse possible de l'environnement et la plus localisée possible. Voilà. Pour nous, le principe, c'est de dire voilà, on doit être capable de nourrir nos semblables à partir d'une production locale sans avoir besoin d'avoir recours à soit des artifices conventionnels ou faire venir des aliments d'ailleurs qui sont produits en bio, certes, mais à des distances qui pour nous n'ont plus rien à voir avec une cohérence environnementale. On a décidé aussi sur la ferme de faire nos productions végétales sans production animale. On ne veut pas faire appel à la matière organique extérieure, animale, pour fertiliser nos champs. Et pour l'huile, en fait, il y en a beaucoup qui nous disent qu'elle est relativement douce, qu'elle est fruitée, et donc c'est vrai qu'elle va très bien pour les assaisonnements. Il y en a, on est assez nombreux à l'utiliser aussi au petit déjeuner dans les préparations telles que le miam aux fruits, enfin voilà, pour les mayonnaises, enfin il y a, enfin moi je suis pas un expert en cuisine, et la farine, il y a beaucoup qui utilisent notre farine pour faire du pain, et des particuliers qui achètent en BioCop et qui sont très satisfaits. Pour moi, les fermes d'avenir, ce sont des fermes justement où on est capable de travailler à plusieurs sur une ferme et pouvoir se libérer du temps, pouvoir se remplacer mutuellement, ne pas avoir toujours une pression de travail sur les mêmes personnes. Alors, on a commencé à travailler avec BioCop Quimper depuis 2 ans, depuis ce qu'on a commencé à transformer certaines de cultures telles que le colza en huile. Donc du coup, on s'est naturellement rapproché vers le réseau comme BioCop auquel on a confiance, puisque c'est un réseau quand même spécialisé en bio. On souhaite éviter de, on voulait pas vendre dans des réseaux qui soient pas totalement dédiés à la vente de produits biologiques.